merci de plus adjoint de l'honneur de Hubert Barrault. Donc c'est avocat et ancien juridiction, qui c'est Stéphanie Mondesté. Comment sentez-vous juridiction avant de me commencer? Bon, santé Stéphanie, pas bien moi, parce que santé morale est attaquée. Parce que quand quelqu'un dans son propre pays est victime d'un acte arbitraire illégal, immédiatement, moralement, il y a abasourdi. Peut-être physiquement, on va avoir la forme, mais moralement, descend. Je sais de quoi il s'agit. L'ancienne directrice de l'ONA est partie hier matin sur un vol, aller 23 novembre 2023. Retour 26 novembre. Et vous parlez communiqué, il suit téléphone là, 2023. Quand pendant la première formalité des barrières d'immigration, eh bien, l'agent lui a demandé de passer un petit peu, de rester à côté. Okay. Et quelques minutes après, l'agent est revenu, accompagné d'un groupe de policiers, qui m'a dit Damien pour lui accompagner pour aller dans sous commissariat en face de l'aéroport. Il est arrivé et m'a fait appeler immédiatement. Je suis arrivé d'ici une trentaine de minutes, comme son avocat. Et je l'ai vu. Et quand je me suis adressé au responsable du sous commissariat, il m'a dit d'attendre le commissaire responsable. Le commissaire responsable. Responsable. Okay. Du commissariat. Et quelques minutes après, il m'a dit, bon maître, écoutez-moi, et vous devez attendre l'arrivée du commissaire du gouvernement, Guillaume, et qui va venir incessamment. Ah bon, ok, je suis là, j'attends. Et comme de fait, quelques minutes après, le commissaire s'est amené, et puis il a demandé de faire chercher cette année, qu'on a introduit dans une chambre, et on m'a fait chercher également. Donc vous parlez de quel commissaire? Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Il a fait chercher Stéphanie dans la chambre qu'elle était et on l'a mis dans une autre chambre comme ça là. Okay. Et il a pris siège lui-même, Stéphanie est en face de lui, moi je suis à côté. Il a posé une seule question à Stéphanie et bon madame, vous connaissez mes vitaux et puis vous êtes parti. Madame a dit, bah, écoutez, moi je ne suis jamais au courant de cette invitation. J'ai entendu à la radio des histoires, mais je ne suis pas touché d'une quelconque invitation. Et d'autant plus cela même que j'aurais été touché. Écoutez-moi, c'est Stéphanie qui parlait. Et qui m'a parti samedi pour me donner dimanche. Donc ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, c'est une liberté que j'ai de voyager. C'est ce que Stéphanie a répondu. Et puis même côté, à la manière de Thiboulet et d'Albert Pierre de leur époque, parce que nous avons des animaux, on ne connaît pas tout. Mais on nous a parlé, on l'a lu. Je frappe même sur le bureau, elle dit, monsieur policier, mettez dame ça en garde à vue pour mettre maman lundi. On dit, ah bon? Après Carougan, c'est nous avons du Tiboulé. Quand on interroge une caserne des Alliés, Mandé Abdou, c'est terrible. Et ça fait peur. Et puis, je dis, commissaire, comment ça on fait, ça s'est passé là, comment ça? Eh, monsieur le policier, dis-le, mettez. Moi, je m'attendais à ce qu'il rédige une note, gentiment, comme un homme de loi. Il rédige une note, il dit, ok, commissaire, et policier, monsieur, mettez une note ça, si il y a une valable sur le show. Que mes dames pour moi et bien ma recherche. Et bien il faut appeler sur le bureau vers le bon. Mais avant tout, est-ce qu'on l'avait minoté, la directrice? Pour moi, nous sommes la première fois. Non, je ne sais pas. On n'avait pas minoté. Maintenant, je me dis, mais ça passe. Même côté à moi, il y a pas d'abonnement, il y a billet, blablabla, mettez dans le cadavre. Ok. Alors que je m'apprêtais à appeler un juge de paix de la croix d'émission, parce que l'aéroport international de Port-au-Prince est sous la juridiction du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Donc le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince n'a aucun droit de s'introduire dans cette enceinte, dans ce périmètre, pour procéder à des arrestations, ni faire des interpellations. Parce que les 18 juridictions du pays sont indépendantes les unes des autres. Ok? Donc c'est ça qu'a fait là, c'est bagaille tête chargée, c'est pas là. Maintenant, quand le juge de paix est arrivé, même côté à moi, le procès Fanny, mettez la machine, quoi avec. On dit qu'on allait l'amener à la DCB.
quand on prend la route vers la DCPJ, ils ont fait un demi-tour d'après les policiers. Okay. Ils ont monté Delma. Ils ont dit c'est Delma où aller. Même côté là, nous tournons tout, nous montons Delma. Arrivé à Delma, on l'a bourré dans une cellule, dans la galère. Immédiatement, j'ai appelé un juge de paix qui était dans les parages. Mais à peu près, il était combien? Plusieurs. Oh, plusieurs. Parce que deux machines, on trouve des machines du côté de cette année, un détachement qui est d'elle. Okay. Et cette fois-ci, menotté, introduit dans un véhicule. On va pouvoir sur les réseaux sociaux. Okay. Maintenant, quand j'ai fait appeler le juge de paix, qui est arrivé illico, parce qu'il était dans les parages faisant un autre constat, à pouvoir lui sanctifier. Et puis, il est entré dans Gadavia, il présentait le cahier Gadavia pour nous mettre en pour voir qui est-ce qui mettait cette année-là. Et au Balili, il a écrit seulement cette année-là, sous compte pour le gouvernement Bordeaux. Il dit, mais côté ordre qui permet que vous êtes là. Et bon, il n'y a pas d'ordre d'amène, c'est inspecteur et enquête en l'air qui a ordre de faire un bureau, il va dire, mais comment ça? Quand la dame vient d'arriver, et puis vous inspectez quand vous avez dit que vous voulez aller. On parle d'inspecteur de ma famille. Il y a la même quoi. Ok. Mais c'était pas vrai. L'inspecteur, à ce que je sache, est malade et qu'il n'est pas là depuis quelques temps. Ok. Oui. Donc, le commissaire a lui dans la barre, ne sachant pas quoi faire, il a fait subterfuge. Mais il va gagner la même, il va pas être honnête. Le commissaire a déplacé avec. Stéphanie sans ordre judiciaire, sans rien. Aucun mandat. Oui, aucun rien. Mais d'arriver au bois, jusqu'à ce que j'ai eu de paix à faire près de 30 minutes, l'a fait constater, aucun ordre judiciaire va venir, le commissaire n'a pas aucun papier, jusqu'à ce que j'ai eu de paix à aller, avec aucun papier. Mais c'est qui j'ai eu de paix qui était sous dossier? C'est Coupette de Delma, accompagné de sa greffière Peggy. Ok? Maintenant, et c'est. Pendant que Stéphanie est à la garde à vue, qu'un individu s'est amené avec mandat d'invitation que le commissaire a dit de révaler. Qui sient le 22. Ici? Non, pas ici, c'est quelqu'un qui s'identifie avec un badge. Donc, il n'est pas identifié. Oui, son individu paraît. Par contre, si on paraît pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais il est arrivé et puis il couille longé papier avec Stéphanie dans cette ville-là, il va me identifier l'aller. Et puis tu marches avec un journaliste qui même côté à qui pas photo. C'est ça. Mm-hmm. Mais c'est grave pour une démocratie que nous gommons pour lui, un pile sang coulé pour lui, et t'as construit chaque jour. Et qui pourrait des actes arbitraires comme ça qu'en fait, qui n'est pas nécessaire pour le défaite. Okay. Parce que écoutez, un rapport de l'ULCC identifie présumément, il vient. C'est présumé. Des individus qui ont été indexés comme des gens corrompus, etc., qui posent des actes de corruption. Le rapport est acheminé au commissaire gouvernement. Ça, seul bagage que le commissaire gouvernement a fait, c'est prendre un dossier ça, garder-le, et puis voir le juge d'instruction. C'est lui, le juge d'instruction, après avoir décanté chaque rapport séparément, qui va inviter les gens. Ok? Inculper les gens, inviter les gens à comparer pour s'expliquer. Mais le commissaire du gouvernement n'a aucun droit pour faire ça, le fait là. C'est grave. Donc ça veut dire que le commissaire gouvernement a violé les droits et... Oui, les droits fondamentaux de cette femme pour prendre la partie ou arrêter la liberté de voyager est prévue par la Constitution. C'est un des cas de la liberté individuelle. D'autant plus que l'article 30 du Code d'instruction criminelle prévoit que... L'article 30... Le commissaire gouvernement a un mandat contre le monde seulement si il y a flagrance. En dehors de ça, il n'y a pas aucun mandat. Il est vrai qu'il y a tout bout de champ, le commissaire gouvernement a un mandat. Mais c'est illégal, c'est arbitraire. La société n'a pas dû accepter. Je dis à Stéphanie, demain c'est que nous avons Johan, après demain c'est Sylvie. Donc il faut nous gourmer contre ça.
Et moi, après, pendant mes 30 ans, 31 ans d'exercice professionnel actif dans le système, nous toujours combattre, nous les avocats, et toujours combattre, et nous toujours gagner de cause, mais on leur paraît. C'est comme s'il y a un virus qui nous pique. On commissaire, ou vous m'avez, dit pour moi. L'aller, on l'autre tourne, il fait même bagarre. Après, on fait ça. Demain matin, on l'autre tourne. Après, il faut une quantité de bataille pour ça, pas fait. Parce qu'il doit savoir qu'il ne peut pas agir comme ça. Il va avoir droit, pas de flagrance, ou il va arrêter d'amener qu'à partir. Alors, il a dit, bon, écoutez, ah, il semble que vous êtes parti là, alors que. Bon, vous ça passé. Comme tu as une invitation pour lundi, je garde ton passeport. Pour éviter, je garde ton passeport, tu peux aller chez toi, mais je garde ton passeport. Donc lundi, je finis tant d'eau, je vais passeport. Comme je l'ai invité. Au moins, nous avons compris un acte, plus ou moins. Illégal aussi, mais quand même, amical, plus ou moins acceptable. Mais pour une bourre, nous garde à vie, mais écoutez, je ne parle pas là. Il y a un agent de la CPJ qui monte en l'air, qui a fait pression sur Damnan pour le sillon papier. Quand on va passer l'agent, oui, à ce moment je vole là, oui. Adelma, un agent de la CPJ qui se dit avocat, je me suis soit avocat, soit fait dans la CPJ. Mais toi, je viens dans le tribunal là. Comment il y avait-il identifié? On est en train de l'identifier pour moi. Il est très arrogant. Il ne veut pas faire instruction à la justice. Qui est-ce que vous êtes? Oh, je suis avocat. Avocat, vous êtes dans la CPJ. Est-ce que vous êtes consultant comme avocat ou vous êtes agent de police? Est-ce que vous lisez papier? Hein? Non, je me dis qu'il n'a pas lu, pas si rien. Okay. Il fait gros bruit avec dans l'air là, pas de pression, tout ça, pas connaît. Le policier me dit le pape si rien, ou pas dit rien. Il cherche la faire. Mais c'est grave dans une société. Donc c'est violence quand même. C'est violence ça. C'est violence à personne. C'est ça que je demande d'identifier les policiers ça pour moi. Pour qu'on a fait ce que le droit. Concernant l'arrestation, il n'y avait pas d'intention de départ? Non, il n'y avait. J'ai jamais eu d'intention de départ. Si tu vas écouter l'interview que le commissaire a donnée hier matin, après, il dit que il a invité des gens, parmi lesquels Damnan, et que servi de renseignement, il dit dans la soirée que Damnan va le bâtir, il fait aucun bel. Jusqu'au moment où on ne parle pas aucune intention de départ. Jusqu'à hier matin, j'ai demandé au commissaire où est l'intention de départ. Il n'y a rien. Les policiers n'avaient pas ça en main. C'est un monde qui est peut-être condamné, et puis qui relève, qui dit ça, et puis il dit que c'est bien. Donc, voici, je devais faire pareil. Sérieux. Il y a la son arrestation par la force. Par la force, il tape des intentions de départ, même lorsqu'il tape illégal aussi, mais au moins. Il tape semblant en pareil. Mais c'est comme tout ce petit boulet, c'est là. Donc, nous n'avons pas accepté ça dans la société, nous avons construit depuis 86 là. Moi-même, dans le mouvement des étudiants fainés, j'ai failli mettre ma vie toute ma boumée. Il y a 30 ans de ça, j'étais membre de Féné, ou quand vous m'avez parlé de Féné, à boumé dans l'université pour violation des droits. Et bien, je dis après 30 ans pour nous, même là, nous ne pouvons pas accepter. Donc, jusqu'à présent, comment traitement pour ancien directeur, c'est de lui. Bon, c'est lui, mais actuellement, je viens de produire une action validée des droits et des droits de progrès pour demander sa libération immédiate et sa condition. C'est ce que je vais plaider à l'instant. Donc, on est aujourd'hui, c'est vendredi, yeah. Donc à partir de 6h, si tu crois que l'Église va libérer, c'est le prochain état. Bon, c'est pas la libérer, c'est lundi, comme libérer, il est lundi. Si le citoyen n'a pas rendu un jugement pour lui, je vous dis à vous, mettez-le dehors. Parce que depuis que le citoyen a rendu un jugement, quel que soit l'heure, la même côté après, vous mettez dehors. Ok. Okay. Et quand même, ancien Église à présent. Hein? Quand même, est-ce qu'un ancien directeur à présent? Non, pas présent. La présidence, il n'y a pas de mine à l'aile. La présidence là. Mais depuis le jugement sorti, il y a eu un huissier à débarquer en l'air. On va parler de lundi si tu veux. Bon, écoutez, comme nous ne pouvons pas empêcher le vini. Si il ne parle pas, je dis, je parle de la guerre. Eh bien, bon, lundi, je suis abouillé chercher encore. Mais tu es là-bas. Continue de faire arbitrer là, on va regarder ça, on va le faire. Donc, en gros, messieurs, ces jeunes journalistes, oui, ça qu'a fait là, je veux dire, concerner nous. Parce que je veux dire, c'est un tel, demain c'est qu'à mon famille, on l'autre, c'est eux-mêmes. Donc il faut nous combattre. Si on fait un bagaille qui n'est pas bon, la loi dit, ben, gens pour faire le contour. Mais on ne va pas faire le gens où vous voulez. Quelle société n'a pas construit là? Vous voyez? C'est grave. Donc en gros, monsieur, voilà. Et comme je vous dis, je suis un petit peu pressé, je vais vous aider. Je suis bien content de vous recevoir et à la prochaine fois. D'accord, merci. Nous vous remercions.
Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus bon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remettre et qui sont plus tôt. Créole Promo, sans souffle.